Interféromètre de Michelson. Comme son nom l'indique, l'interféromètre de Michelson, il va permettre de produire des interférences entre deux sources de lumière secondaires. Alors, on va voir dans un premier temps quel est le dispositif correspondant à ce Michelson. Eh bien, dans un premier temps, nous avons donc une source primaire S étendue et non pas ponctuelle qui va produire une intensité lumineuse de valeur I0 qui va frapper une lame qu'on appelle la séparatrice, lame semi-réfléchissante, qui va transmettre 50% de l'intensité I0 et qui va en réfléchir également 50%. Ensuite, dans ce dispositif, nous aurons également quoi? Deux miroirs M1 et M2. Allez, on répond au téléphone et on revient. Bien, rien de grave, c'était M. Michelson qui me disait fort justement que j'avais oublié l'accent aigu sur le E. Bien, alors, premier petit exercice pour vous, à la maison, il n'y aura pas d'indice par contre. Je vais vous demander, sachant que l'intensité vaut I0, intensité de la source primaire, hein, qu'on voit la source primaire, quelles sont les intensités réfléchies par les différents miroirs dans ce Michelson. Allez, à vous de trouver. Première chose, ici, on va faire poursuivre ce rayon. Ce rayon est à 50% transmis et 50% réfléchi, c'est-à-dire que pour ce rayon, nous n'avons plus que I0 sur 2 en termes d'intensité. On va considérer que ces deux miroirs sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir la totalité du rayon lumineux. Donc on aura à nouveau ici un rayon lumineux d'intensité I0 sur 2. Par contre, attention, cette lame semi-réfléchissante va réfléchir à ce moment-là que 50% de l'intensité lumineuse incidente ici, donc ça nous donnera I0 sur 4. Et elle va laisser passer I0 sur 4, hein, un rayon d'intensité lumineuse I0 sur 4. Même chose ici pour ce deuxième rayon. Alors, ici nous avons un rayon qui va être réfléchi, donc avec une intensité I0 sur 2, puisque c'est une lame toujours semi-réfléchissante, cette séparatrice. Et ici, le miroir étant parfait, l'intensité lumineuse réfléchie va être également toujours de I0 sur 2. Par contre, qui ne vaudra plus que la moitié de I0 sur 2, c'est-à-dire I0 sur 4. Ces deux rayons lumineux vont interférer et on va essayer d'étudier, on va non seulement essayer mais réussir à étudier les interférences à partir de ce dispositif. Un petit oubli ici, attention, ce rayon lumineux d'intensité I0 sur 2, il va être transmis avec I0 sur 4, mais il va être également réfléchi avec une intensité la moitié de I0 sur 2, c'est-à-dire I0 sur 4. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intensité I0, il y en a la moitié qui est réfléchie et la moitié qui est transmise. Bien, résumons ici sur cette excellente animation de l'Université du Mans le cheminement des différents rayons. Donc la source primaire émet un premier rayon qui va rencontrer la séparatrice. Ce rayon va être en partie ici réfléchi sur le miroir M2 et en partie transmis vers le miroir M1. Ce premier rayon en rouge va être réfléchi sur M1, donc il va être réfléchi sur la séparatrice et venir vers une lentille convergente, puis un écran qui nous permettra de voir les interférences produites. L'autre rayon, qui est réfléchi sur la séparatrice, frappe M2, traverse la séparatrice à nouveau et vient ici. Nous remarquons ici que lorsque ces deux miroirs M1
et M2 sont perpendiculaires à cet axe et à cet axe, eh bien nous allons voir une figure d'interférence particulière. On dit alors que l'interféromètre de Michelson est configuré en lame d'air. Nous verrons plus tard ce que signifie cette configuration spéciale. À remarquer que le faisceau de lumière qui arrive ici est un faisceau de lumière parallèle, donc les interférences se produiraient à l'infini. Cette lentille convergente va nous permettre d'obtenir la figure d'interférence dans le plan focal image de cette lentille. Quelle est l'allure des franges d'interférence maintenant? Eh bien, l'image de ces interférences a cette forme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'anneaux lumineux, séparés par des distances variables, comme nous voyons ici. À noter que nous pouvons obtenir des franges d'interférence que si la distance entre OM1 et OM2, ces deux distances-là sont différentes, elles sont espacé d'une distance qu'on appelle la distance petit e. En faisant varier cette distance petit e, eh bien, la figure d'interférence change. Nous verrons plus tard la théorie pour expliquer la forme de ces anneaux. Interféromètre de Michelson configuré en lame d'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce titre un peu bizarre? Eh bien, l'interféromètre de Michelson, nous l'avons vu précédemment, il y a une source primaire étendue d'intensité lumineuse I0, monochromatique de longueur d'onde lambda 0. Nous avons cette séparatrice qui est espacée 50% de l'intensité lumineuse et qui en réfléchit 50%. C'est une lame semi-réfléchissante. En lame d'air, à ce moment-là, nous avons M1 et M2, M1 perpendiculaire à l'axe OX, M2 perpendiculaire à l'axe OY. Donc les deux, si vous voulez, forment un angle, entre les deux, il y a un angle de 90 degrés. Voilà ce qu'on appelle lame d'air. On va voir maintenant les différentes images de ce point S correspondant à la source primaire à travers ce dispositif. Pour bien comprendre la source, il faut faire un petit rappel de première année de PCSI, MPSI, etc. Première année de faculté. Donc, imaginons un point A, le bout de votre nez par exemple, et vous regardez ce point A à travers un miroir. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Traçons deux rayons particuliers. Un perpendiculaire au miroir. L'angle d'incidence avec le miroir étant nul, son angle de réflexion, hein, vous le savez, est égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire 0. Donc, le rayon lumineux va se réfléchir comme ceci. Voici pour le premier rayon lumineux. Second rayon lumineux, imaginons qu'on fasse ici un deuxième rayon lumineux avec un angle d'incidence petit i, eh bien, il sera réfléchi avec un angle petit r, tel que petit r égale petit i. Autrement dit, où se trouve l'image du point A dans ce miroir? Eh bien, c'est une image qui est dite virtuelle. Pourquoi? Les rayons ne partent pas vraiment de ce point A', hein, mais ils partent évidemment de la surface du miroir et nous apercevons que A' est quoi? A' est le symétrique de A par rapport au miroir. Cette propriété, nous allons l'utiliser et l'utiliser évidemment pour ce système du Michelson configuré en lame d'air. Un premier exercice pour vous. On va considérer un rayon lumineux partant de la source primaire, S, qui va être réfléchi ici
par la lame semi-réfléchissante correspondant à la séparatrice, et je vais vous demander où se trouve l'image de S par la séparatrice. Je vais l'appeler S'2. Et quelle va être l'image de S'2 par le miroir M2 que vous noterez S2. À vous de trouver. Bien, on va commencer par S'2. Eh bien, nous avons vu précédemment, cette lame séparatrice étant un miroir, que l'image de S par ce miroir est son symétrique. Donc, il va se retrouver à combien de 3 unités ici, 1, 2, 3. Et voici S'2, image virtuelle de S par cette lame séparatrice. Alors, c'est très simple, hein. On imaginerait tout simplement que le rayon, on peut faire un deuxième rayon si vous voulez, hein, voici un deuxième rayon qui frappera après ici et qui reviendrait comme ceci. On voit bien que l'image de S par cette séparatrice est un S'2 symétrique de S par rapport à la lame. Deuxième chose, eh bien, voici S'2, image virtuelle qui va devenir un objet pour M2. Où se trouve son image? Eh bien, on l'a vu, hein, son image, c'est son symétrique par rapport au miroir M2. Donc, il y a, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voici S2, qui constitue notre première source secondaire qui va interférer avec la seconde source secondaire que on va déterminer maintenant. Bien, pour bien enfoncer le clou, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dessiner, enfin, vous allez le faire. Vous allez dessiner ici ce qui arrive à ce rayon qui va se réfléchir au point M2 dans un premier temps. Allez, vous jouez. Très simple, l'angle d'incidence vaut 0 degré, c'est l'angle entre la perpendiculaire et le rayon incident, ça fait bien 0 degré. Donc ce rayon-là va se réfléchir, semblant évidemment provenir de S2. Et puis il va traverser ici la lame semi-réfléchissante. Et voici le premier rayon qui semble issu de S2, source secondaire. On va faire un deuxième rayon maintenant, qui provient de S. Voici ce deuxième rayon. Et je vais vous demander, un rayon quelconque, vous le faites sur votre schéma, hein, et vous me dessinez ce que va devenir ce rayon à travers deux réflexions successives, une première sur la séparatrice, une seconde sur M2. Deux façons de voir les choses. Première chose, on peut dire dans un premier temps que S'2 est l'image de S par la séparatrice, donc tous les rayons semblent provenir de S'2. Il suffit donc de prolonger un rayon qui viendrait de S'2. Et voici la première réflexion. On aurait pu également tracer la perpendiculaire à la séparatrice. L'angle d'incidence de ce rayon est égal à son angle de réflexion. Même chose pour le deuxième rayon réfléchi. Il semble provenir de S2. Source secondaire. Et donc, il nous suffit de faire, et là, ça va être un peu plus difficile, on va bien se mettre dans l'axe, voilà, un rayon qui semblerait provenir de S2 et qui va traverser la séparatrice. Voici donc les deux rayons lumineux qui semblent provenir de S2. On aurait pu faire comment? Eh bien, tracer ici la perpendiculaire au miroir et trouver que cet angle d'incidence est là est égal à cet angle de réflexion, ce qui revient au même. Voici donc deux rayons semblant provenir de S2, image de S par le système optique réalisé par l'interféromètre de Michelson. Nous avons vu dans un premier temps ce rayon issu de S qui va venir frapper la séparatrice, frapper M2
et venir ici. Je l'ai appelé le rayon 2, puisqu'il semble provenir de S2. Je vais vous demander maintenant de trouver l'image de S par 1. Donc, il s'agit maintenant de ce rayon qui va traverser la séparatrice, frapper M1, frapper à nouveau la séparatrice et revenir ici. Ce rayon-là, je l'appelle R1 et l'autre R2. Ce sont ces deux rayons, R1 et R2, qui vont interférer. Bien. Donc, par M1, l'image, vous l'appellerez S'1. Et ensuite, par la séparatrice, vous appellerez cette image, et bien tout simplement, S1. Allez, c'est à vous. Première chose, nous avons vu qu'un rayon issu de S ici va se réfléchir, donc semble provenir de l'image de S qui est le symétrique de S par rapport à M1. Donc si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voici S'1, image de S par le miroir M1. Donc tous les rayons semblent provenir de S'1. Tiens, je peux en tracer un là. Allez, hop, c'est cadeau. Voici un deuxième rayon. Voilà. Tac, qui va venir se réfléchir comme ça. Ça, c'est S'1. Maintenant, attention. S'1, il va se réfléchir sur la séparatrice. Comme il se réfléchit sur la séparatrice, eh bien, son image S1, ça va être le symétrique de S'1 par rapport à la séparatrice. La séparatrice, je la plonge artificiellement. Le symétrique de S'1, eh bien, il est à la même distance que ceci. Donc, il va falloir le redessiner par là. Alors, le plus simple pour dessiner son symétrique, c'est quoi? Eh bien, de mesurer le nombre d'unités qu'il y a entre le point de frappe du rayon et puis S'1, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour moi. Vous pouvez évidemment la distance correspondant à votre figure. Eh bien, 11, on va démarrer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voici S1. Donc, tous les rayons semble provenir de S1 et tous les rayons semblent provenir de S2. Ce sont tous ces rayons-là qui vont interférer et nous donner de très belles figures d'interférence que nous allons étudier ultérieurement. Alors, évidemment, il faut faire une petite construction graphique pour vraiment à nouveau se fixer les idées. Voilà ce que je vous demande. Imaginons un autre rayon que celui-ci, quelconque, vous prenez un petit angle θ et je vais vous demander de me dessiner le cheminement de ce rayon lumineux s'il traverse évidemment la séparatrice, qu'il frappe M1 et qu'il frappe à nouveau la séparatrice, qu'il se réfléchit sur la séparatrice et qu'il vienne participer à la figure d'interférence. À vous de jouer, c'est pas si facile. Première chose, ce rayon lumineux, eh bien, il va traverser la séparatrice et il va venir frapper le miroir. Comment va-t-il se réfléchir? Eh bien, il semble provenir de S'1. Donc, il suffit de prolonger le rayon provenant de S'1. Avec une règle, ce sera encore mieux. Et voilà. Oups là, rayon lumineux tordu, ça n'existe pas. Voici ce rayon qui va se réfléchir. Alors, évidemment, on aurait pu mieux le dessiner, mais ça reviendra au même en disant que cet angle d'incidence ici va être égal à cet angle de réflexion. Deuxième chose, eh bien, ici, ce rayon lumineux, il semble provenir de quoi? De S1. Donc, il suffirait que je fasse, ça va être encore plus chaud, mais vous, avec votre règle, il n'y aura pas de problème. Vous faites un rayon lumineux qui semble provenir de S1. Et voilà, ce rayon lumineux. Même chose que tout à l'heure, évidemment, l'angle d'incidence ici va se retrouver égal à l'angle de réflexion. Voici un autre rayon lumineux qui semble provenir de S1. Dans la suite de ces exercices sur Michelson,
Nous ne présenterons jamais le miroir M1 ici dans cette position, mais nous allons dire sont symétriques par rapport à la lame séparatrice. Donc, par exemple, j'ai mis ici 4 unités de longueur, sont symétriques, eh bien, ils seraient ici. Et je l'appellerai non plus M1, mais M'1, qui serait l'image de M1 par la séparatrice. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite comme simplification? Eh bien, on va dire tout simplement que ce n'est plus le rayon 2 ici qui frappe la séparatrice, qui frappe le miroir M2 qui revient, et ce rayon qui va traverser la séparatrice, qui tape M1, qui se réfléchit ici, ici, qui vont interférer. Mais quoi? Eh bien, tout simplement, ce seront deux rayons R1 et R2. Le premier R2, ben, ce sera exactement le même qui est dessiné ici en bleu, mais le second, eh bien, il va se réfléchir sur le miroir M'1, symétrique de M1, par la séparatrice. Je vous laisse faire votre schéma, et je vais vous demander quoi? Eh bien, je vais vous demander d'abord où se trouve, dans un premier temps, par cette séparatrice, l'image de S que je vais noter, S', et qui m'a donné par le miroir M2, S2, et de la même façon, S par cette séparatrice va me donner S', qui va donner par le miroir M1, S1. Vous me faites cette construction, et vous vérifiez qu'on retrouve à nouveau deux sources secondaires exactement à la même position, S1 et S2. Bien, occupons-nous d'abord de ce point S avec son image S', et qui par M1 donne S1. Bon, S par la séparatrice, son image va être S', symétrique de S par rapport à cette lame. Donc là j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, et voici S'. On retrouve bien que cette distance-là est la même que celle-ci. Maintenant, S' va donner par M1, S1. Il nous suffit de savoir, alors par M'1, pardon, hein, puisque c'est M'1 et l'image de M1, par cette séparatrice. Donc, S' va nous donner donc par M'1 une image qui va être son symétrique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on reprend. 7 unités, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on retrouve ça à la même position que tout à l'heure. Merveilleux. Bien, deuxième rayon lumineux. Quand ça part de S, ça donne S', c'est toujours la même chose, hein, par la séparatrice. Et maintenant, M2, eh bien, ce sera quoi? Par M2, S' va nous donner S2 qui est sont symétriques par rapport à M2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, pardon, 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on retrouve S2 dans la même position. Donc finalement, que je mette M1 ici, ou que j'étudie son symétrique par rapport à la séparatrice, on retrouvera la même chose. Interférence entre deux sources lumineuses, S1 et S2. A noter que si j'appelle cette distance entre ces deux miroirs petit e, je retrouverai une distance entre S1 et S2 qui est égale à 2 fois petit e. Pourquoi maintenant appelle-t-on ce Michelson configuré en lame d'air? Eh bien, c'est comme si je faisais interférer deux rayons, deux lumineux qui se réfléchissent en M2, un qui se réfléchisse en M2 et un qui se réfléchisse en M'1. Miroir fictif, évidemment, image de M1 par cette séparatrice. Ici, on se reçoit des miroirs. Si ce dispositif est placé dans l'air, ce qui est le cas, eh bien, on aurait
une lame d'air, hein, d'épaisseur petite. Voici pourquoi on appelle ça l'interféromètre de Michelson configuré en lame d'air. Alors, dernière chose, hein, un petit exercice de construction géométrique qu'il faut absolument savoir faire. Eh bien, dessinez-moi un rayon issu de S qui se réfléchit en M2 et puis issu de S qui se réfléchirait sur M'1. Eh bien, un premier rayon, alors celui qui réfléchit sur la séparatrice va frapper M2, va revenir, va traverser la lame semi-réfléchissante et voici ici son chemin. L'autre, attention, il va continuer sa route, il va taper M1, il va revenir ici et puis il va revenir ici. Voilà. Alors, une petite remarque, évidemment, en fait, si on dit qu'il viendrait de M'1, hein, eh bien, il faut faire un petit trait. Puisque ce rayon-là semblerait provenir quoi? Eh bien, de S1. D'accord? Donc tout ce rayon-là qui vient, qui frappe M'1, eh bien, il est en pointillé. À noter que ce rayon parcourait, tout est dans le conditionnel, d'accord, hein, parcourait exactement la même distance de ce point ici à celui-ci que la distance entre ce point et ce point, évidemment. Bien, résumons. Ici, sur cette excellente animation de l'Université du Mans, le cheminement des différents rayons. Donc, la source primaire émet un premier rayon qui va rencontrer la séparatrice. Ce rayon va être en partie, ici, réfléchi sur le miroir M2 et en partie transmis vers le miroir M1. Ce premier rayon en rouge va être réfléchi sur M1, donc il va être réfléchi sur la séparatrice et venir vers une lentille convergente, puis un écran qui nous permettra de voir les interférences produites. L'autre rayon, qui est réfléchi sur la séparatrice, frappe M2, traverse la séparatrice à nouveau et vient ici. Nous remarquons ici que lorsque ces deux miroirs M1 et M2 sont perpendiculaires à cet axe et à cet axe, eh bien nous allons voir une figure d'interférence particulière. À remarquer que le faisceau de lumière qui arrive ici est un faisceau de lumière parallèle, donc les interférences se produiraient à l'infini. Cette lentille convergente va nous permettre d'obtenir la figure d'interférence dans le plan focal image de cette lentille. Quelle est l'allure des franges d'interférence maintenant? Eh bien, l'image de ces interférences a cette forme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'anneaux lumineux séparés par des distances variables comme nous voyons ici. À noter que nous pouvons obtenir des franges d'interférence que si la distance entre OM1 et OM2, ces deux distances-là sont différentes, elles sont espacées d'une distance qu'on appelle la distance petite e. En faisant varier cette distance petite e, eh bien, la figure d'interférence change. Nous verrons plus tard la théorie pour expliquer la forme de ces anneaux. Interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. Je vais vous demander de refaire ce schéma de l'interféromètre de Michelson. La source primaire S envoie un rayon lumineux d'incidence petit i par rapport ici à l'horizontale, va frapper dans un premier temps la séparatrice que nous avons ici. Cette séparatrice
C'est une lame, je vous rappelle, semi-réfléchissante. L'image de S par cette séparatrice est S', symétrique de S. Donc, ce rayon lumineux va être réfléchi avec un angle, ici, d'incidence par rapport à la normale à la surface, égal à l'angle de réflexion. Vous pouvez faire partir directement le rayon de S' en pointillé, puisque S' vient l'image virtuelle de S, attention. Ce rayon lumineux vient frapper le miroir M2, fixe, ici, va se réfléchir suivant quelle direction? Eh bien, suivant la direction de la droite S2 qui passe par ce point-là, puisque S2 est l'image de S' par M2. Ensuite, ce rayon va traverser la séparatrice et venir ici. Deuxième rayon. Un rayon partant de S va venir traverser la séparatrice, se réfléchir sur le miroir M1. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour dessiner ici le rayon réfléchi? Il suffit de prendre S'1, image de S par M1. Et ensuite, avec votre règle, vous faites passer la droite par S'1 et par ce point d'incidence ici de ce rayon. Il est réfléchi. Ensuite, eh bien, nous avons vu précédemment que ce rayon-là va être réfléchi évidemment avec le même angle d'incidence que l'angle de réflexion ici. Ce rayon va venir ici. Je l'appelle 1. Pourquoi? Parce que c'est le rayon qui est réfléchi par le miroir M1. Et nous voyons que ces deux rayons-là vont être parallèles. Et donc, l'interférence entre ces deux rayons 1 et 2 va normalement se faire à l'infini. Bon, on ne va pas reculer, évidemment, l'écran à l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'astuce du jour, c'est-à-dire prendre une lentille convergente. Et nous savons que l'image d'un objet qui vient de très loin, de l'infini, va se faire où? Dans le plan focal objet, c'est-à-dire à une distance F' de cette lentille convergente. Voici donc le point M qui va être ici le siège d'une interférence entre deux rayons 1 et 2. Bien. Alors, maintenant, je vais vous demander la chose très simple, enfin, très simple, oui et non, hein, à vous de le trouver. Quel est l'angle ici entre la droite O, O étant le centre de la lentille et le point N, et la verticale. À vous de trouver cet angle. Bien, observons ici ce schéma. S' est le symétrique de S par rapport à la séparatrice. Autrement dit, l'angle entre le rayon incident provenant de S et cette droite ici horizontale est le même que quoi? Eh bien, est le même que l'angle entre S' et le point d'impact sur la séparatrice et la verticale. Autrement dit, nous retrouvons petit i à cet endroit-là. Où est-ce qu'on le retrouve également? Eh bien, si je poursuis cette droite, la voici. Donc, nous retrouvons l'angle petit i entre la verticale et puis ce rayon-là. Voici à nouveau l'angle petit i. Comme l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion sur un miroir, nous retrouvons petit i exactement ici. Et nous le retrouvons où également? Eh bien, exactement entre quoi et quoi? Entre ce rayon également, rayon 1, et la verticale. Par conséquent, ceci c'est un rayon, une somme de rayons parallèles, un faisceau de lumière parallèle. Ici, nous avons tracé un rayon parallèle à ces deux-là, de manière à voir où va se former l'image de ces deux rayons par cette lentille convergente, hein, l'image qui se trouve au point M. Et donc, par conséquent, cet angle-là est également, a également pour valeur petit i.
Voilà. Donc, l'angle petit i, c'est l'angle entre la verticale et puis la droite ON. Nous allons utiliser cette propriété pour déterminer les ordres d'interférence, les différences de phase et également la différence de marche entre le rayon issu de S1 et celui issu de S2. Nous avons démontré précédemment donc que l'angle petit i entre le rayon incident provenant de S et l'horizontale se retrouvait entre la droite OM, O étant le centre de la lentille convergente, et la verticale. Où est-ce qu'on la retrouve également? Où est-ce qu'on retrouve également cet angle? Eh bien, c'est l'angle que font ces rayons avec la verticale, donc l'angle petit i, nous le retrouvons ici. Ces deux rayons 1 et 2 interfèrent. Vous allez me calculer la différence de chemin optique entre S et M dans le cas numéro 1 et entre donc S et M dans le cas numéro 2. Cas numéro 2, le rayon a ce chemin-là. Cette différence de marche va engendrer des interférences forcément. À vous de jouer. On va considérer, pour simplifier le problème, que les deux rayons frappant une fois, deux fois des miroirs, dans les deux cas, une fois, deux fois, eh bien, les différences de chemin optique engendrées par cette réflexion est la même pour le rayon 1 et le rayon 2. On ne va donc considérer que les chemins optiques. Alors, le chemin optique maintenant, 1, SM1, est égal à quoi? Eh bien, première chose, on a SI1 plus I1J plus JM. Voici pour ce chemin optique. Que vaut SI1? Eh bien, tout de suite, on peut voir que SI1 est égal à quoi? Eh bien, du fait de la symétrie du problème par rapport à la séparatrice, nous avons SI1 qui est égal à quoi? Qui est égal à SI'. I1J, eh bien, de par la symétrie du problème, toujours est égal à JI'. JI'. EJM. SI', ce chemin optique ici, est égal à quoi? Eh bien, est le même que S', I'. S', I'. Donc, toujours plus J, I'. Le JM. S', I', c'est la même chose que S1, I'. Puisque S1 est le symétrique de S' par rapport au miroir fictif M'. Donc on a égal à S1 I' plus JI'1 plus JM. Autrement dit, après petit changement de stylo, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, S1 I' plus JI', donc plus cette distance-là, plus JM, ça nous donne quoi? Eh bien, c'est équivalent au chemin optique S1 M. Donc SM dans le cas numéro 1 est égal à S1 M, c'est-à-dire chemin optique n fois la distance S1M. Comme l'air a un indice de réfraction petit n
qui est égal à 1, on peut dire que ce chemin optique est égal au chemin géométrique, la réelle distance entre S1 et M. Maintenant, Sn dans le cas numéro 2. Bon, je pense que vous avez assez maintenant d'informations pour trouver tout seul Sm dans le cas numéro 2. On le fait. Sm dans le cas numéro 2. Eh bien, ça nous fait Sk plus Ki2 plus I2 M. Voyons les symétries du problème. Sk, c'est la même chose que S'K, qui vaut donc S'K plus Ki2. Alors Ki2, le voici, le voilà, plus Ki2, plus I2L. Bon. S'K plus Ki2, c'est la même chose que quoi? Eh bien, que S2I2, puisque S2 est l'image de S' par rapport au miroir M2. Donc ça nous donne quoi? S'K plus Ki2 égale S2I2. S2I2 plus I2M, ce qui nous donne quoi? Eh bien, tout simplement, S2I2 plus I2M, ça nous donne S2M égale S2M. Autrement dit, la différence de marche entre ces deux rayons est égale, différence de chemin optique, hein, est égale à, eh bien, S1M moins S2M. Quelle est la différence entre S1M et S2M? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que parcourt en plus le rayon ici, numéro 1? Eh bien, il parcourt en plus toutes ces distances. Parce que là, j'ai tracé une perpendiculaire à S1 ici. Cette perpendiculaire coupe le rayon qui part de S1 qui va vers M. On a un point H. Autrement dit, la différence de marche est uniquement cette distance-là. Que vaut maintenant cosinus I? Eh bien, cosinus I, c'est égal à cette distance S1H, côté adjacent, sur l'hypoténuse qui vaut 2E. 2E. Donc, S1H égale, eh bien, 2E cos I. Autrement dit, le chemin optique S1H qui est égal à la différence de marche entre ces deux rayons vaut quoi? Eh bien, petit n fois 2e cos i. Et voilà. Nous venons de voir que la différence de marche entre ces deux rayons valait 2NE cosinus I. Que vaut maintenant la différence de phase entre ces deux rayons, l'ordre d'interférence et l'intensité vibratoire au point M? À vous de jouer. Commençons par la différence de phase delta phi M. Elle est égale à 2π fois la différence de marche au point M divisé par lambda 0, voire les leçons précédentes. Ce qui me donne pour delta phi M, eh bien, 2π fois 2NE cos I divisé par lambda 0. Ce qui nous donne pour la différence de phase, donc 4π NE cos I sur lambda 0. Tu attends petit minou que j'ouvre la porte. Bien, voilà pour delta phi M. Maintenant, que vaut l'ordre d'interférence? Eh bien, nous savons que l'ordre d'interférence, P de M, est égal à delta phi M,
divisé par 2π. Ce qui nous fait, pour l'ordre d'interférence, eh bien, tout simplement, cette expression divisée par 2π, donc 4π NE cos I sur 2π lambda 0, ce qui nous donne, eh bien, tout simplement, 2NE cos I sur lambda 0. L'intensité lumineuse, eh bien, nous avons deux rayons lumineux qui interfèrent et nous avons vu dans les, ici, dans les leçons précédentes que l'intensité au point M était égale à quoi? À 2 fois l'intensité I, I étant l'intensité de chaque rayon lumineux, facteur de 1 plus cos de delta phi m. Bien, 2i cos delta phi m étant ce qu'on appelle le terme d'interférence. Que vaut l'intensité petit i? On a vu précédemment qu'une lame semi-réfléchissante absorbait la moitié, rappelez-vous, la moitié de l'intensité lumineuse. Donc si en S, j'ai une intensité lumineuse I0, ici je n'aurai plus qu'I0 sur 2, je vais à nouveau traverser la lame semi-réfléchissante, donc à nouveau il y a I0 sur 2 ici qui va être à moitié absorbé, donc ici on aura I0 sur 4 et I0 sur 4. Voici pour les deux intensités lumineuses de ces deux rayons exprimées par rapport à l'intensité lumineuse de la source primaire. Je vais remplacer donc I par I0 sur 4, ce qui nous donne 2 fois I0 sur 4 facteur de 1 plus cos delta phi m. Ce qui nous donne donc I0 sur 2 facteur de 1 plus cos delta phi m, I0 étant l'intensité lumineuse produite par la source primaire. Et voilà. Quelle est maintenant la figure d'interférence que nous pouvons observer lorsque l'interféromètre de Michelson est réglé en lame d'air? Ça, c'est la question. Nous avons vu précédemment, dans la leçon précédente, que l'ordre d'interférence, Pm, était égal à delta phi sur le pi, qui valait donc 2n cos i sur lambda 0. Lorsque cet ordre d'interférence est égal à un nombre entier k, à ce moment-là, delta phi vaut k fois 2π. Autrement dit, la différence de phase est égale à k fois 2π, ce qui signifie que nous sommes dans le cas des interférences constructives. Constructives, ça veut dire que la somme, les deux ondes s'ajoutent et on a une intensité à ce moment-là maximale. On a une frange brillante. Bon. Quelle est l'allure de cette frange brillante? Eh bien, l'interféromètre de Michelson fonctionne en division d'amplitude, ça c'est la première. Parce que à un rayon ici, l'intensité I0, on va obtenir, nous l'avons vu précédemment, I0 sur 2 plus à nouveau la moitié qui est absorbée, donc ça nous donnera ici pour le rayon 1 I0 sur 4 et pour le rayon 2 I0 sur 4. Donc, on divise l'amplitude de ce rayon initial. Voilà pourquoi on appelle ça l'interféromètre de Michelson qui fonctionne en division d'amplitude. Nous avons un axe de symétrie par rapport à la droite S1, S2, S1 et S2 étant les sources secondaires qui vont interférer. Autrement dit, tout les points M correspondant à un angle I identique vont donner ici la même frange d'interférence. Autrement dit, la frange d'interférence, elle sera comment? Eh bien, elle aura une forme d'anneau. Petit schéma ici, à cet angle I1, donc à ce faisceau de lumière parallèle ici, eh bien, va
on va obtenir le point M1 qui est l'image de ces deux rayons qui viennent de l'infini, qui semblent provenir de l'infini. On aura donc une frange brillante dans quel cas? Eh bien, si PM est égal à K, K étant un entier. Et puis, pour un autre angle d'incidence I2, faisceau de lumière parallèle, on aura un point M2, point qui sera sur l'anneau brillant, juste après ce premier anneau brillant, et qui aura un ordre d'interférence, PM2 égale K-1. Alors, on verra après pourquoi K-1, mais en tout cas, il y a une différence d'ordre d'interférence, hein, PM, de 1 entre cet anneau-là et cet anneau-là. Voici pour la forme des franges d'interférence qu'on appelle des anneaux. Et voilà. Erratum, attention, il y a une petite erreur dans ce que je viens de vous dire. L'ordre d'interférence de ce point M1 correspondant à cet anneau-là, si cet ordre vaut K avec K entier, puisqu'on obtient une frange brillante, interférence constructive, à ce moment-là, le rayon, l'anneau juste après, aura un ordre d'interférence au point M2 qui vaut K-1. On va le voir après, hein. C'est dû à l'expression de l'ordre d'interférence. A tout à l'heure. Leçon suivante. Nous allons déterminer en plusieurs étapes quel est le rayon R1, R2, R indice K des différents anneaux de cet interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, donc, qui produit donc ces interférences en forme d'anneaux. Bien. Alors, dans un premier temps, on a vu que l'ordre d'interférence avait cette expression. Quelle est la valeur de Pmax dans un premier temps? Que vaut que l'ordre d'interférence maximale au point M? À vous de jouer. Eh bien, Pmax va prendre donc cette valeur maximum pour une valeur de cosinus I égale à quoi? Bah, cosinus I égale à 1. Autrement dit, I égale à 0. Ce qui nous donnera alors à ce moment-là 2ne sur lambda 0. Il y a très peu de chances que Pmax soit un nombre entier. Donc ça veut dire tout simplement que pour I égale 0, eh bien on a très peu de chances d'avoir une tache brillante. On aura sans doute une tache sombre. Bon. Ce Pmax au point M, on va le séparer en deux morceaux, c'est-à-dire P0 plus epsilon, P0 étant un nombre entier et epsilon étant un nombre fractionnaire, hein, ou un nombre qui n'est pas entier, hein, qu'on appellera généralement l'excédent fractionnaire. Bon, alors on va prendre tout de suite un exemple. Imaginons qu'on ait fait l'expérience ici avec une lumière provenant d'une lampe à vapeur de sodium. Je vous donne les valeurs numériques que sont petit e égale 10 micromètres, ensuite lambda 0 595 nanomètres, petit n égale 1 parce qu'on est dans l'air, hein, donc l'indice de réfraction de l'air vaut 1. On peut mettre même deux chiffres significatifs, en trois chiffres significatifs, 10,0 micromètres, 595 nanomètres, et n égale 1. Et je vais vous demander de déterminer la valeur de Pmax au point M. Calculons maintenant donc l'ordre d'interférence maximale. Elle correspond à quelle valeur? Eh bien, on l'a vu précédemment à cos I égale 1. Nous avons la formule 2 fois n, indice de réfraction de l'air 1,0, fois e, petit e, l'épaisseur de la lame d'air qui vaut 10 micromètres, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 5, divisé par lambda 0, la longueur d'onde lambda 0 dans le vide de cette source primaire qui vaut 595 nanomètres, 10 moins 9 mètres. Et nous trouvons 33,6. Nous voyons donc que
P0 égale 33 et l'excédent fractionnaire vaut 0,6. Ça signifie qu'au centre, ici, les deux rayons qui arrivent ne sont pas en phase puisque l'ordre d'interférence, hein, qui est égal à, je vous le rappelle, qui est égal donc à delta phi sur 2pi, n'est pas un nombre entier, ce qui signifie que delta phi n'est pas égal à n fois 2pi. Autrement dit, les deux ondes qui arrivent au centre ici de cette lentille ne sont pas en phase. Voilà, par exemple, avec un léger déphasage, hein, qui correspond à cet excédent fractionnaire. Bien, alors, deuxième question. Pour quelle valeur d'angle I1 a-t-on le premier anneau brillant? Premier anneau brillant correspondant à P0. Je vais vous demander de déterminer R1 en fonction, entre autres, de P0 et d'autres termes à déterminer. Première chose à savoir, c'est que cette frange brillante correspond forcément à un ordre d'interférence qui est égal à un nombre entier, donc pas P0 plus epsilon, mais le premier nombre entier, le nombre entier le plus grand, c'est P0. Donc on aura à ce moment-là, pour cette première frange brillante de rayon R1, P2M égale P0 égale, on réécrit l'expression de l'ordre d'interférence dans le cas général, 2NE cosinus I1, parce qu'il s'agit du premier angle I1, 2NE cosinus I1 sur lambda 0. Bon. Deuxième chose, que vaut ce cosinus I1 et que vaut cet angle I1? Eh bien, on se trouve dans ce cas-là. Pour que l'on se retrouve dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire qu'on obtienne une image nette, il faut que l'angle I1 que font ces rayons avec l'axe optique ne soit pas trop grand. À ce moment-là, on a tangente I, donc tangente I1 dans ce cas-là, peu différent de I1, égale à quoi? Eh bien, tangente, c'est côté opposé, c'est-à-dire cette distance qui est égale à quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le rayon R1 de l'anneau, donc R1 divisé par donc, côté adjacent, mais qui est égal à la distance focale F', distance focale image, de la lentille. Bon, allez, je vous ai mis un petit peu sur la voie, vous voulez pas continuer? Continuons. Donc, nous avons, deuxième chose, comme cet angle est petit, cosinus I1, son développement limité, c'était 1 moins I1 au carré sur 2. Alors ça, vous ne le saviez peut-être pas, donc il faut évidemment ne pas l'apprendre, on vous le donne généralement dans les exercices. Nous remplaçons donc le cosinus I1 par sa valeur, ce qui nous donne donc P0 fois lambda 0 sur 2N égale cosinus I1, c'est-à-dire 1 moins I1 au carré divisé par 2. Nous savons que I1 est égal à R1 sur F', donc ça nous donne 1 moins R1 carré divisé par 2F' carré. Ce qui nous donne donc, on peut envoyer ça de l'autre côté, R1 carré sur 2F' carré égale 1 moins P0 lambda 0 P0 lambda 0 sur 2N. Autrement dit, que vaut R1 carré? Eh bien, R1 carré égale 2F' carré facteur de 1 moins P0 lambda 0 sur 2N. Autrement dit, R1 égale F'
fois racine carrée de cet ensemble, 2 facteur de 1 moins P0 lambda 0 sur 2N1. Voilà. Alors, comme toute formule un petit peu compliquée comme celle-ci, il faut évidemment vérifier les unités. Ça, vous le savez, c'est la règle d'or et on va l'appliquer évidemment. Alors, R1, c'est un rayon qui est donc en mètres. F', c'est une distance focale qui est en mètres. P0, c'est delta phi sur 2π, donc ça n'a pas d'unité. Lambda 0 est en mètres. N, l'indice de réfraction, est sans unité. Et E est en mètres. Donc à l'intérieur de la fraction, nous avons quoi? Mètres sur des mètres. La racine carrée, tout ça, qui est sans unité. On trouve bien une formule qui est homogène. Bien, nous avons trouvé le premier rayon R1. À vous de trouver le second rayon R2 correspondant à la deuxième frange d'interférence brillante. Or, cet exercice, c'est le plus simple, évidemment. On a déjà l'expression de R1, ici. Que vaut l'expression de R2? Eh bien, cette fois-ci, P0 ne vaut... On a l'ordre d'interférence qui ne vaut plus P0, hein. Mais quoi? P0 moins 1, hein. Vous savez en effet que P max, c'est P0 plus l'excédent fractionnaire. Donc ça, c'est le P max. Donc évidemment que tout est plus petit que P0 pour des franges d'interférence où les ondes arrivent en phase. Par conséquent, F égal à quoi? Eh bien, F', facteur de 2, 1 moins, cette fois-ci plus P0, mais P0 moins 1. Il faut que l'ordre d'interférence soit toujours un nombre égal, hein, de façon à ce qu'on ait delta phi qui vaut k fois 2π, donc que les deux ondes arrivent en phase, toujours la même chose, multiplié par lambda 0 sur 2N1. Si on voulait maintenant la énième anneau, quel serait son rayon R indice M? Eh bien, pour le deuxième anneau, on a moins 1. Donc, ça signifie pour le énième anneau, que vaut son rayon? F', facteur 2, facteur de 1, moins P0, moins M, plus 1, hein, on vérifie, hein, si M est égal à 2, 2, alors moins 2 plus 1, ça fait bien moins 1, ça donne bien P0 moins 1, fois lambda 0 sur 2N1. Et voici pour le rayon correspondant à l'anneau de frange brillante d'indice petit m. Nous sommes dans le cas de l'interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. Nous avons vu que l'ordre d'interférence dans les leçons précédentes était donné par la formule suivante, 2NE cosinus I sur lambda 0. Lambda 0 étant la longueur d'onde de la radiation émise au point S, source primaire, petit n étant l'indice de réfraction du milieu qui est l'air qui vaut 1, et petit e étant l'épaisseur de la lame d'air, c'est-à-dire finalement la différence entre la distance entre la séparatrice et le miroir M1 et la séparatrice et le miroir M2. Distance que nous retrouvons ici. Voilà pour cette configuration dite à lame d'air. Bien. Alors, nous obtenons, nous avons vu précédemment, des rayons, des anneaux, hein, des anneaux correspondant à ces franges d'interférence, anneaux brillants. Si quoi? Si P est un nombre multiple, un nombre entier, si l'ordre d'interférence est un nombre entier, c'est-à-dire si la différence de phase entre ces deux rayons est égale à k fois 2π, autrement dit, si les deux ondes, elles arrivent comment?
au point M, eh bien en phase, à ce moment-là, on a une intensité maximum, donc une frange brillante, d'accord? Et je vais vous demander, si on diminue, c'est-à-dire finalement, si on rapproche le miroir M1, donc on diminue cette lame d'air, comment vont varier les rayons de ces anneaux? Ça c'est la question. Il suffit de regarder l'expression du rayon du premier anneau brillant. Nous voyons bien que si petit e diminue, cette fraction va augmenter. Comme cette fraction augmente, 1 moins cette fraction va faire quoi? Va diminuer. Et le rayon R1, il va faire quoi? Il va diminuer. Donc on va avoir un cercle concentrique qui va se rapprocher évidemment du centre de cette lentille. Centre optique ici, hein, haut donc de ce point-là, centre de l'écran. Qu'est-ce qui se passe maintenant, à votre avis? Si E égale 0, autrement dit, si M1 et M2 sont exactement à la même distance de la séparatrice. Vous l'aurez trouvé aisément. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement petit e égale 0. Autrement dit, quel que soit i, on a p de m qui est égal à 0. Autrement dit, si p de m est égal à 0, eh bien, delta phi est égal à 0. Donc, si delta phi est égal à 0, toutes les ondes qui arrivent en ce point de l'écran arrive en phase, autrement dit, tout est éclairé uniformément. On est dans une configuration qu'on appelle le contact optique. Et voilà. Revoyons dans un premier temps le tracé des rayons lorsque le Michelson est configuré en lame d'air. Nous voyons que l'image que nous observons sur cet écran provient d'un objet situé à l'infini. Nous allons observer maintenant l'allure des franges d'interférence qui ressemblent évidemment à des anneaux. Lorsque l'épaisseur de la lame d'air, c'est-à-dire la distance entre M2 et l'image M'1 de M1 par la séparatrice est de plus en plus petit, eh bien nous voyons que les rayons des anneaux diminuent. Nous observons également qu'il y a de moins en moins d'anneaux. Lorsque E tend vers 0, comme nous le voyons ici, nous avons pratiquement une teinte plate, c'est-à-dire que l'image est uniformément éclairée. Ce n'est pas tout à fait le cas ici, puisque E n'est pas égal à 0 sur cette animation, mais 100 micromètres. Nous ne pouvons apercevoir ici plus qu'un seul anneau sur cette figure d'interférence.